Bonjour, bonjour. Et nous allons attaquer la page numéro 6 de cet album Paris, je t'aime pour la boutique Scrap for Love. Donc, nous avons terminé la page numéro 5. Maintenant, derrière, on va faire la page numéro 6. Elle est très facile. Elle est très facile à réaliser, mais il y a bon, une petite originalité qui va nous permettre d'économiser du papier et en même temps de faire quelque chose de très joli. Hein, ça, c'est mignon, vous allez voir. J'ai utilisé en grande partie ce papier-là et celui-là qui vont très très bien ensemble. Ça nous fait désunis, comme ça on peut après s'amuser à tout décorer. Et au moins, c'est cohérent et on économise nos papiers. Alors, pour faire cette page, on va faire deux petits rabats enveloppes, un en haut et un en bas, qu'on va maintenir par un passant comme ça, et on glissera à l'intérieur un grand carnet. Vous voyez, c'est très simple. Alors, les petits rabats, j'ai arrondi les angles pour que ce soit moins agressif. Donc 6 et demi, pardon, 6 et demi sur 20. Et du côté 6 et demi, je plie à 4 et à 4 et demi. J'ai quand même fait un gousset d'un demi centimètre parce que le carnet est relativement épais. Donc 6 et demi, on plie à 4 à 4 et demi sur 20. Et on va le coller du côté 25. Attention, hein. Ça, on le coupe deux fois. Un en haut, un en bas. Et ça se colle directement sur le bloc. Vous allez voir, la construction est très simple, mais ça fait un joli effet, je trouve. Ça permet justement d'avoir un très grand livret à l'intérieur et d'avoir de la place pour faire de la déco. Donc voilà le premier. Au lieu de faire des petits ronds de fermeture comme je fais souvent, là, je vais coller un morceau de papier pour les tenir. Et comme ça maintient également le livret à l'intérieur. Toujours évidemment du côté droit. Ça ne va pas jusqu'au bout pour permettre justement d'attraper le carnet facilement. Voilà, on obtient ça, un en haut, un en bas. Ok? Et là, on va mettre, on le collera après, hein, puisqu'il faut mettre les papiers d'abord. Hein. On va coller une bande de papier, oui, comme ça, de 17 sur 5. On le collera après. Vous voyez, j'ai prévu les scotch, on va le coller après. 17 sur 5. Et le livret lui-même, il est très grand. Il faut mettre beaucoup de photos dedans. Donc on a 44 sur 16 et on plie au milieu à 22. 44, 16, 22 la pliure et on va le glisser à l'intérieur comme ceci. Il sera maintenu par notre petite languette là. D'accord? Alors, on met les papiers en premier. Alors, donc j'ai choisi celui-ci pour le fond, qui est très clair et qui va faire tout ressortir. Donc, c'est celui-ci en premier. C'est là où il y a les découpages derrière, que moi je n'utilise jamais. Parce que je préfère utiliser les papiers. Je sais pas trop. Ouais, plus comme ça. Ça, c'est ma faute. Je devrais marquer quand je les découpe dans quel sens ils vont. Et je le fais jamais. Et là, c'est vrai que on ne sait pas trop. Alors, ici, comme c'est un papier qui est relativement grand et qui va supporter un grand livret. Ne lésinez pas sur le scotch ou la colle pour que le milieu du papier soit bien collé. Hein. Il
faut vraiment que tout soit bien pris là. Si vous mettez de la colle, ne vous contentez pas de faire le tour. Mettez-en deux petits traits aussi sur le milieu pour éviter que ça baille en fait. Alors, pour ce qui est de ces petits rabats. Donc, à l'intérieur ici, j'ai mis le même papier que celui-ci. On est cohérent, on reste assorti. Pour que ce soit joli. Donc là, c'est pareil, quand vous faites vos petits rabats là, que vous arrondissez vos angles, n'oubliez pas de mettre le papier dans le bon sens. Donc ici en bas, c'est la même chose, toujours avec le même papier. C'est vrai que ça se voit pas parce que ça s'ouvre pas, mais bon, c'est plus joli. On fait des finitions jolies. Ça sera fermé, donc ça se verra pas. Mais moi, j'aime pas quand on laisse du noir. Parce que même si c'est fermé et que ça se voit pas, quand on glisse le carnet ou quoi, moi, j'aime bien que ce soit propre. Et dessus, j'ai un reste de celle-ci, avec les notes de musique et les petits oiseaux. Donc, pareil, en haut et en bas, le même papier. Pas besoin d'image sur cette page. C'est la petite languette de dessus qui va faire tout son effet. Si vous voulez pas décorer l'intérieur, hein, c'est pas obligatoire, ça se voit pas. Mais bon. Moi, j'aime bien quand même que ce soit bien propre. Alors, c'est ici qu'on va coller notre languette, là. Donc, ne la mettez pas trop loin parce que ça, il faut que votre livret qui est à l'intérieur, comme ceci, soit maintenu ici. Si vous le maintenez là, ça risque de bouger. Tandis que là, ça va bien le maintenir. Il ne bouge plus. Donc, vous le mettez... Ah, on va faire des petits repères, hein, parce que sinon, ce ne sera pas cohérent. On va mettre 2 cm ici et ici pour être sûr de le mettre au bon endroit. Et après, on va faire aussi... Je vais lever ça. On va faire aussi 2 cm... Je pense que ça doit aller si je fais 2 et 2. Bon, c'est mieux quand on voit les traits qu'on a fait. Moi, je les vois plus. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais je sais pas où il est, mon petit trait. Il est là. Ah, c'est pas possible ça. Voilà, alors, je les vois mieux. Donc ici, on va mettre à 2 cm du bord, ici, et à 2 cm, ça va pas. Voilà, et ça m'aurait étonné. Parce qu'il faut bien le... Il faut, attention, c'est ça qu'il va falloir faire. Il faut faire attention... Que ça écrase pas le gousset, mais que ça le tienne quand même bien serré. Il faut pas qu'il s'ouvre de côté. Il faut qu'il reste bien fermé, mais en même temps, il faut pas l'écraser. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc là, je vais rectifier. Bon, les 2 cm, ça va, mais là, c'est trop long. Ça fait 2,5.
pas tout à fait. On est sur, voilà, 2,5. Alors, je vais faire un repère ici. Comme ça, je vais le coller où il faut. Et donc là, je vais coller un côté pour ne pas me tromper. Il est là et mon petit trait, il est là. Donc, comme ceci. Et voilà. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas écraser les goussets, mais en même temps, il faut quand même que ce soit bien maintenu. Voilà. J'aime bien ça. Alors, ici, j'ai utilisé le même papier qu'au fond. Hop, même endroit, c'est mieux. Donc là, j'ai mis le même papier que sur le fond. Vous voyez qu'avec la même page, j'ai fait quand même pas mal de... Avec la même feuille, j'ai fait pas mal de... J'ai recouvert pas mal... Oh, pas mal de papier. Voilà. Là, j'y suis. On met ça de côté et on va faire le livret. Alors, le livret, dessus, j'ai utilisé la page... Ah, alors ça, c'est la 2020 où il y a les cartes carrées. Je ne les ai pas utilisées, les cartes carrées, j'ai préféré couper mon papier. Mais ça fait que 2020. Donc dans la partie qui tombe, j'ai rajouté mon petit morceau ici. Et comme les impressions ne sont pas du tout dans le même sens, je rajoute un bout de mon papier de fond. Ma page. J'espère que je suis claire. Alors, ici, faut se mettre bien droit. Voilà. Ensuite, on colle le petit morceau qui manque. Là, le sens n'a pas vraiment d'importance puisque je suis à la mer. Et donc là, je mets par-dessus. Je vais finir de coller mon papier quand même. Donc vous voyez que ça va permettre de faire une jolie décoration dessus qui va se voir à l'intérieur de la pochette puisqu'elle n'est pas fermée la pochette. Donc, c'est toujours agréable de faire ce genre de petit montage parce que ça nous permet de faire une très jolie décoration dessus. Voilà. Donc, ça, ça se glisse à l'intérieur. Et regardez l'ensemble, comme c'est joli. Et là, on va pouvoir faire une très jolie décoration sur notre livret. Alors, donc, à l'intérieur de ce livret, eh bien, on y va. On colle nos espaces photos et on va se retrouver avec 6 espaces photos. Donc, très intéressant. Avec peu de papier, un grand livret, on arrive à avoir plein d'espaces photos. Voilà, inutile de vous dire que moi, là, au milieu, je vais faire quelque chose. Hein. Je vais mettre un petit embellissement, un tag ou un truc comme ça, où on pourra glisser les photos dessous. Ça habillera mon milieu, qui n'est jamais très régulier, d'ailleurs.
et ça fait toujours plus joli avec quelque chose ici au milieu. Vous avez 6 espaces photos à l'intérieur. Vous voyez que cette page, elle est vraiment hyper rapide à faire. Vous pouvez même mettre un petit stop là pour le glisser. Je verrai ça après en fonction. Eh oui, parce qu'il promène. Donc, il faudrait peut-être le caler ici. Pour réfléchir. Peut-être caler que le dessous. Pour pas que ça empiète là-dessus. Puisque je veux faire une décoration ici. Et vous voyez que l'unité du papier fait le reste. C'est tout simple. Mais ça vous permet sur une feuille verso de mettre quand même 6 photos. Sachant qu'évidemment, on peut toujours rajouter des cartes si on veut. À l'intérieur du livret, par exemple, ou sous le livret. Il y a toujours la possibilité de mettre plus de photos que ce qui est prévu. Oui, je vais faire ça. Je vais le laisser comme ça. Et ici, je vais faire un stop qui me tiendra que le dessous. Ici. Ça le maintiendra comme ça. Voilà, mesdames. Le bloc numéro 3 est terminé. La page numéro 6 est terminée. On a fini presque l'album, il ne nous reste plus qu'un bloc. Bon, la page numéro 7, elle est costaud, hein. La 8, je ne me souviens plus, mais la page numéro 7, c'est pour ça que celle-ci étant un peu moins épaisse, ça nous permet dans notre espace d'accordéon, la page numéro 7, d'être un peu plus épaisse. Parce que vraiment, elle est costaud. La page numéro 7, elle est... Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait... Attendez voir. Alors, c'était 8. Ben, la page numéro 8, elle n'est pas épaisse, mais il y a aussi beaucoup de travail. Hein. Donc, il vaut mieux prévoir, voilà, de la place. Donc, ça, c'est la 6. Elle est finie. Le 3 est fini. Je veux vous montrer quelque chose, parce qu'on a le temps. Donc, je veux vous montrer quelque chose que j'ai fait avec ma pâte à structure et mon... pochoir, je vais le dire. Et mon pochoir. Alors, mais ça, je vous le ferai en direct. Hein. On fera une petite vidéo vite fait, là, pour expliquer comment je fais. Donc, j'ai utilisé le fameux pochoir que Audrey m'a donné dans mon colis. Ça, c'est très généreux parce que il fallait y penser de me donner le pochoir à sortir. Alors, je l'ai déjà lavé. Normalement, ça tient bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mon pochoir. Bon, moi, je voulais qu'on voit « Je t'aime » et « Love ». Donc, j'ai posé mon pochoir. J'ai mis du masking tape là pour bien le maintenir. Et j'ai sorti ma pâte et ma petite truelle. Alors, ça, c'est des truelles Stamperia que j'ai depuis... une éternité. Je ne sais même pas si ça existe encore de cette forme-là déjà. Parce que j'en ai 3 ou 4 de formes différentes. C'est quelque chose qui est très très souple et qui permet justement de bien étaler la pâte sur le pochoir et de gratter le surplus pour récupérer. Parce que ces pâtes-là, c'est pas donné, hein, faut le dire. Donc, autant les économiser. Voilà. Donc, ça sent le plâtre, hein. Ça sent pas mauvais, hein, mais c'est pas non plus, voilà. Donc, on prend un petit peu, mais je vous le ferai en vidéo, on prend un petit peu de pâte, on l'applique sur notre pochoir, bien épais, il faut de l'épaisseur, hein. Et quand toutes les lettres sont bien remplies, vous frottez pour récupérer le surplus qu'on récupère. Et après, il faut chauffer avec le heat gun pour sécher tout ça. Et je vous conseille même, après avoir séché avec le heat gun, de laisser sécher aussi. Moi, je l'ai fait ce matin. Et là, on est le soir. Là, c'est bien sec. Alors, ça fait un relief. Moi, je trouve ça super joli. En plus, ben, ça y va bien, hein, forcément. Donc là, je le fais en haut, là, je le fais en bas. Un peu aléatoire, j'ai quand même voulu
le love et le je t'aime quand même, hein, pour rester dans le français, parce que le reste, on ne comprend pas tout. Et donc, ça fait sur le papier noir, hein, voilà. Ça fait un petit effet de relief. C'est très joli parce que c'est vraiment, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est vraiment en relief. Ça fait une jolie décoration. Ça complète. Et vous voyez aussi, j'ai utilisé les derniers. Comment ça s'appelait ça déjà? Les Deluxe, les papiers Deluxe en 15-15. J'avais encore des petits tags, des étiquettes et des étiquettes mots. Alors, les étiquettes mots, elles sont là. Voilà, j'ai des petits tags comme ça, des petites étiquettes, j'ai tout ça. Et j'avais ces espèces de petits mots tout en anglais, là. Tout est écrit en anglais et c'est argenté. Alors, pour m'en servir, parce que je les ai, j'aime bien utiliser ce que Audrey, elle m'envoie, je les ai mis en petite étiquette sous mes étiquettes sentiments. Alors, est-ce que vous allez voir que ça brille? Oui, voilà. Vous voyez? Mes étiquettes petits sentiments, je les ai matées avec du rouge. Et dessous, j'ai mis mes étiquettes mots en cachant les mots. On voit plus que l'argenté. Et ça fait juste ma petite touche d'argenté comme je voulais. Là, j'ai la chance, et sur l'étiquette, c'est écrit en français. Donc, évidemment, j'en ai profité. Ici, c'est écrit en anglais, mais ça veut dire la même chose. C'est du journal aussi. Donc, ça m'a complété mes deux pages intérieures pour pouvoir y glisser mes cartes. On a fait ensemble. Et on reste dans l'argenté. Et je vais faire ça, ce genre-là, sur toutes mes étiquettes sentiments, pour pouvoir justement faire assortir, mettre une petite touche de brillance dans cet album, qui est beaucoup gris et noir. Hein. Il y a du rouge, mais c'est gris et noir quand même. Hein. Donc, petite touche de brillance avec les papiers de luxe que Audrey m'a envoyé dans mon colis. Donc, il y a de très jolies choses, il y a des jolies étiquettes. Il y a des étiquettes longues comme ça, c'est très joli. Là, il y a la fameuse dame avec le parapluie. Et après, c'est le papillon. Il y a même un petit papillon. Et après, c'est les mots. Donc, tout ça, je ne le mate pas. Je m'en sers pour mettre mes petits mots. Et ça, on le fera ensemble dans une petite vidéo très courte pour savoir comment on fait. Ce genre de. Comment on travaille avec les pochoirs et avec les pattes comme ça. Alors, moi, c'est du Stamperia. Je l'ai acheté chez Audrey aussi. Hein. Je ne sais pas s'il y en a en ce moment, je n'ai pas regardé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sont. C'est vrai qu'à l'achat, c'est un petit peu cher, mais là, on en a pour 10 ans, il hein, faut le dire. Enfin, moi, je ne m'en sers pas tout le temps. Mais ce qu'il y a, c'est que ce sont des pâtes qui se conservent très, très bien. Alors. Quand on s'en servira, je vous montrerai que je mets du film étirable dessous le couvercle. Je dois en avoir. Alors, je vais vous passer devant, je suis désolée. Mais j'ai pas le choix parce que c'est là. Voilà. Moi, je mets du film comme ça sous le couvercle. Ça empêche complètement l'air de passer et les pâtes, elles se gardent des années. Et je dis bien des années. Voilà. Parce que ce sont des pots qui sont relativement onéreux, donc on a envie que ça dure longtemps. Alors ça, c'est une pâte souple et elle est mate. C'est pas brillant, hein. Moi, j'aime pas quand ça brille. Voilà. Et beaucoup très volumineuse parce que selon les pâtes que vous achetez, je sais comment au tout début j'avais acheté les nouveaux, NUVO, ça s'écrit. D'abord, elles sèchent. Même avec le plastique, elles sont mortes, elles sont dures comme ça. Et elles sont trop liquides. Et quand votre pochoir, vous enlevez, ça coule. Brrr, ça s'étale. C'est minable. Donc, vraiment, je suis pas. En général, je ne fais pas de commentaires sur les produits. Mais alors, les pâtes nouveaux, zéro. En qualité et en durabilité. Parce que ça, je sais que j'en ai. Parce que ça, c'est mon deuxième pot. Pour vous dire, ça fait peut-être 15 ans que je fais du scrap. C'est vrai, je ne m'en sers pas souvent. Mais quand même, c'est mon deuxième pot. C'est des pots qui ne s'abîment pas. C'est un investissement, mais
Vous le gardez au lieu de le jeter, comme certaines choses. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était mon jeu de truelle. Ça, c'est pareil. C'était un jeu. C'était tout ensemble. J'avais acheté ça, mais je les trouve. Alors, la marque, elle n'y est même pas dessus. Alors, je ne sais même pas d'où ça sort. Vous voyez, c'est vieux, hein. Mais elles sont trop longues. Quand on veut faire juste un petit coin comme ça, ça sert à rien, ça vaut rien. C'est trop raide. Il faut que ce soit très souple. C'est trop raide. Donc, vous voyez, ça accroche le pochoir. Donc, celles-là, ben, elles sont en décoration sur mon petit chariot là-bas. J'ai racheté celle-ci. C'est du Stamperia. Je sais, c'est plus cher. Mais regardez-moi ça. Hein, voilà. Moi, je dis du joli travail, un joli matériel. Hein. On a toujours dit des bons ouvriers, bons outils. Mais c'est bien vrai. Ça, vous voyez, ça va permettre justement. Elles sont très fines, très souples. Et ça permet de faire un très joli travail. Donc, c'est pas la peine d'acheter des formes et des machines. Ça sert à rien. Il suffit d'en avoir une bonne. Et ça suffit. Voilà, ça, c'était mon conseil achat. Parce que c'est vrai qu'on dépense beaucoup quand on fait du scrap. Autant qu'on ait du matériel qui dure. Parce que ben il faut le laver, bien sûr. Hein, chaque fois qu'on l'utilise, moi, je le lave. Pour que ça reste, parce que je vous dis, elle est vieille, hein, et vous voyez, elle est impeccable, voilà, parce que chaque fois, je la nettoie, je laisse jamais sécher la pâte sur ma petite truelle, là, hein. Je sais pas, ça doit pas s'appeler truelle, ça, hein. Je pense que c'est encore un nom, je ne sais quoi, ouais, tu sais, ils disent qu'il faut pas le donner aux enfants de moins de 3 ans, vous voyez, c'est même... Moi, je dis une truelle, mais ça doit avoir certainement un nom un peu plus scientifique de scrap. Je ne sais rien, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, je vous conseille de prendre quelque chose de souple. Voilà, parce que quand c'est trop raide comme ça, c'est joli dans mon chariot, ça décore. Voilà. Eh bien, je vous ai tout dit, hein. Je vous ai raconté plein de choses. Je vous donne des conseils, c'est pas pour acheter, on est bien d'accord. Je vous force pas à acheter, attention, c'est pas mon but. Moi, je suis là pour vous donner mon expérience à moi, vous partager mes conseils à moi. Je fais comme tout le monde, j'achète des cacatories, comme je dis, des choses où je pense que c'est bien et puis finalement c'est nul. Eh bien, je le dis parce que on dépense assez d'argent dans le scrap. Pour prendre des choses qui vont durer, qui sont du bon matériel, voilà. Donc, c'est des conseils que je vous donne. Je ne vous oblige en aucun cas à acheter quoi que ce soit. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Celles qui font beaucoup de mix média, par exemple, ça c'est génial parce qu'en plus, on peut les teinter avec les encres. Ça, moi, je ne le fais pas parce que ça fait trop pastifé, là, trop patouille. Quand c'est trop sale, moi, au bout d'un moment, j'aime pas trop, vous le savez. Mais ça, vous pouvez très bien le teinter avec les encres Distress. Et à ce moment-là, votre pâte peut être assortie à vos papiers. Si vous faites du mix média, c'est très joli. Celles qui font de l'art comme ça, c'est absolument magnifique. Moi, je suis pas douée, donc je fais pas. Et en plus, j'aime pas trop me salir les mains. Ou si je pastiffe trop, je mets des gants. Vous le savez, je suis comme ça. Ça, c'est plus Françoise, ça. Hein. C'est plus ma copine Françoise. Elle aime beaucoup. Moi, je suis pas très fan. Et moi, c'est mes, voilà. Moi, c'est mes décos, mes découpages, mes superpositions. Mais on a chacun nos petits travers, comme on dit. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, puis je vous dis à très vite pour faire le dernier bloc. Merci beaucoup, au revoir tout le monde, à bientôt.